Question numéro 1 sur 12. Quel était l'ancien nom de Mario? Ah, je le laisse. C'était dans Donkey Kong. Jardiman! Wario! Jumpman! Je suis Jumpman, l'homme qui saute. Wario. Jardiman, c'est pas mal. Oh, il y a quand même des gens qui ont répondu Jardiman. Excellent. Là là là. Non, j'ai pas répondu en premier. Allez, question numéro 2 du quiz. Parmi ces jeux, lequel possède une suite? Oh putain. Alors. J'ai failli faire une connerie là. Vous connaissez le fameux. C'est le fameux jeu Mario 65. N'empêche, c'est ouf, ils ont fait 64 suites de Mario, mine de rien. C'est incroyable. Ouais, il y a quand même des gens qui ont répondu. On peut dire en quelque sorte que théoriquement, Odyssey ressemble un peu à 64, même si bon. Je suis pas tout à fait d'accord, quoi. C'est pas une suite, c'est plus un remake qu'une suite Mario 64 DS. C'est Mario 64 en fait que t'as eu sur DS, mais c'est un portage avec où ils ont ajouté Yoshi jouable, c'est à peu près tout quoi. Relier ces plateformes à leur jeu. Ça va le jeu vidéo, je suis plutôt à l'aise dedans. Allez, attends, on va se concentrer un petit peu. Donc, oh putain. Hop, ok. Tanuki, je me rappelle. Hop, hop, et hop. Et je pense que j'ai tout bon. Je pense quoi des Uchiwa? Bah, je les aimais bien. C'était. Le lore des Uchiwa était sympa. Ah, il y a quand même eu beaucoup de bonnes réponses, hein. 11 sur 2, 11 bonnes réponses et 2 mauvaises, quoi. J'ai eu une petite hésitation à un moment donné, ça va me coûter cher. Le retour de Nobara. Allez, question 4 sur 12. En quelle année est sorti le film Mario Bros. Live Action? Oh putain! Oh putain! Allez. Je dois pas être loin de la vérité. Alors, c'est quelle année? Oh! J'ai l'année! J'ai l'année! J'ai l'année! J'ai l'année exacte, donc moi j'ai le point et pas vous. Hein. Oh, 79, vous êtes violent quand même! Vous êtes violent! 79, sérieux! Mario est pas si vieux! Ah, son si, mais quand même. 88, ça va pas. Oh putain, les gars, 2000! Et c'est ainsi que je perds mon avance. J'ai répondu trop vite. Je pense au dernier film. Ah non, non, non. Mario Bros. Live Action, c'était le premier. Hein. Oh là là, l'erreur. Oh l'erreur. J'ai pas lu la suite Live Action, ouais. Ouais, bon, allez, je te l'accepte. Mais normalement, pour moi, c'est. Voilà. Ça rend ce que je suis gentil. Hein. Eh ben non, 2000, c'est pas trop vieux. C'était horrible. C'était horrible. Oh, allez, ça! Ça, c'était un Goomba, les gars. Les mecs, ils ont fumé la moquette quand ils ont fait le film. Je sais pas si vous l'avez vu il y a quelque temps, mais c'était horrible. Un jour, je le montrerai à ma fille juste pour qu'elle pleure, tu vois. Genre, tiens, je ruine ton enfance. toute façon, il n'y a rien qu'à l'air. Dans ce film, il n'y a rien qu'à l'air. Le mec qui a eu. L'idée qu'il a eue était nulle à chier, quoi. Ah là, Marco qui réintègre le top 3, c'est très bien. Bon, Zad qui a triché, il n'a pas les points. Allez, question 5 sur 12. Combien de jeux portables Mario possède-t-il? Putain! Tu parles des canons ou des non-canons? Allez. Là, pifomètre. DV? C'est quoi DV? Putain, j'espère que je ne suis pas loupé là. Là, j'ai fait au pif. Hein.
Merde, c'était 15, putain. Ah là là, Mozette qui a encore triché, hein. Non, pas DB en live action, je me respecte un petit peu, tu vois. Question 6. Dans quel jeu est apparu la première fois Wario? Celle-là, je l'ai. Je te félicite pas pour ton cambriolage. Je t'ai vu, ouais. Du coup, j'ai même pas cambriolé, hein. Tu te rends compte, à cause de ça, ça fait 3 semaines qu'il y a des rondes de flics à minuit, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h et 6 h du matin dans notre quartier, quoi. À cause de moi. Et du coup, j'imagine qu'elle a pas enlevé sa plainte, la meuf. Donc, elle a pas dû dire qu'elle s'était loupée comme une merde et que du coup, bah, ils doivent continuer à circuler, les pauvres. Ah, Zad qui s'est loupé. Marco qui réavance, ça rigole plus. Attention, question 7 sur 12. Oh! Bon, je décris pas exactement correctement, mais je sais que c'est ça. C'était trop bien! C'était le meilleur jeu Yoshi qui est sorti. Moi, je préfère au Yoshi en carton. C'est trop bien. Tadadada. Alors Mario Land, Mario Maker, Yoshi, Woody World. Yoshi, Island, Marco, ouais mais quand même. Alors Yoshi Mini, Yoshi's Woolly World, Yoshi's Woolly World, on voit la faute là, c'est pas grave. J'arrive pas à cliquer, voilà. Yoshi Woolly World. Yoshi Woolly World. Alors, est-ce que je l'accepte pour Aknoob ou pas? Est-ce que je l'accepte pour Aknoob le Woody World? Parce que tu sens qu'il a voulu le faire, tu vois. Je sens qu'il a voulu faire Woolly World, mais qu'il s'est un peu loupé. Alors, on accepte ou pas? On est gentil ou on n'est pas gentil? Bah non, Yoshi Mini, je compte pas. Comme tu veux. Oui, allez, vas-y, on accepte, on est gentil. On est gentil. Tu m'as fait, tu t'es abonné, tu as utilisé ton Prime pour moi, donc je t'accepte. C'est mérité. C'est pour le paiement. C'est la corruption, tu vois. Le jeu est sorti sur Wii U, puis sur 3DS quelques années plus tard, donc la 3DS a eu quelques ajouts, non, on parle pas. Notamment les cinématiques à gagner en répondant à la bonne question chaque jour, et de plus, on pouvait customiser son propre Yoshi. Ça, c'était dégueulasse. Encore une fois, c'est la preuve que la Wii U, ils ont abandonné complètement. Les mecs, ils sortaient des jeux sur Wii U et ils les portaient sur 3DS, et inversement, la Wii U, ça a été une poubelle. C'est vraiment une insulte à tous les fans de Nintendo, ce qu'ils ont fait avec la Wii U. Vraiment, c'est honteux. C'est honteux ce qu'ils ont fait, moi, je leur pardonnerai jamais. C'est pour moi ça. Déjà que j'avais quand même moins de respect pour Nintendo depuis quelques années, mais là, la Wii U les a enterrés pour moi, vraiment. Je parle pas en termes financiers où ils vivent bien, mais c'est en termes de respect et compagnie, là, ils ont vraiment perdu la cote pour moi, complètement. Ah, je sais pas ça, Sacha. Aucune idée. Peut-être que ton Prime est pas relié sur ton compte, sur ton téléphone. Aucune idée. Question 8. Quel a été le dernier jeu Mario sorti? Bah ça dépend si tu considères les canons ou pas. Là c'est pareil, est-ce que tu comptes les anciens Mario? Est-ce que tu comptes tes Mario canons? On verra. Putain, je fais ça, si j'ouvre pas la bouteille, ça marche moins bien en fait, bizarrement. Oh mais oui, il y a eu Mario Wonder! J'avais complètement oublié Mario Wonder. Oh, je vais perdre à cause de ça. Je vais perdre à cause de Mario Wonder, sérieux. Mario Bros, Mario Bros Switch, Mario Odyssey, Mario Wonder ou Peach Princess, tu comptes celui-là. Allez, Wonder, je le compte. Super Mario Party de Jambré. Hein. Valide STP, je suis pratiquement dernier. Fais un don, je valide. Je pense que c'est bon, ouais. Bon, avec ça, je vais perdre la première place. Il y en a eu un nouveau en 2024, lequel? Quel est le nom de ce personnage? Facile. Hop là.
Super Mario Party Jamboree. Ouais, mais ça compte pas vraiment. Enfin, pour moi, c'est pas un Mario canon, tu vois. Moi, je compte vraiment que les Mario canon dans ces cas-là. Attends, maintenant j'ai la musique de Woolly World en tête. Toudoudou. Toudoudou. Toutoutoutoutou. Et ouais, c'est Luigi. Tananana, tanana, tanana. Qui n'est pas un personnage de Mario. Hein, c'est un personnage de Luigi's Mansion, mais bon, on va rien dire. Luigi malade. Voilà. Que on peut retrouver dans Mario, dans Luigi Mansion 3 et dans Luigi Mansion 2 le remake. Puisqu'ils ont intégré un mode de joueur. Et oui. Vous avez pas vu qu'il est ouvert? Voilà. Alors en fait, il répète ce que je dis. Des fois, il faudrait que j'arrête de parler parce que. Oh, je suis toujours premier. Attention, là, ça se joue un peu. Là, ça se joue à peu de choses. Est-ce que je vais garder. Est-ce que je vais avoir le titre de grand fan de Nintendo? Moi, le trash talker de Nintendo, est-ce que je vais avoir le titre de grand connaisseur? Attention, à 10 sur 12, il en reste 3 quand même des questions. Attention, quel est le nom de ce personnage? Oh putain! Je l'ai mal écrit, mais bon. J'avoue, la question Mario est que tu considères les Luigi Mansion et Princess Peach comme des jeux Mario. Bah, disons qu'ils font partie de l'univers Mario, mine de rien. Même si tu les vois pas directement dans un Mario Odyssey, Luigi Mansion, tu vois, c'est quand même vachement connu. Oh, je l'ai bien tapé en plus. Akamaru. Akamaru, sérieux. Bununvinum, je l'ai jamais vu. Chomp, non, Chomp, c'est autre chose. Fleshlight, Sakura. Non, il est plus utile que Sakura Pucci. Hein. Le chien des plans de Piranha, non, en plus c'est dans Yoshi. Wooly, Spoofy, non, c'est Pucci, les gars. Je peux pas accepter Spoofy, je suis désolé, c'est un peu loin quand même. Hein. Voilà. Mais il est trop mignon, je l'ai en. À l'époque, je collectionnais les figurines, les amiibo. J'ai galéré pour avoir. Alors, Pucci, non, parce qu'il était dans une version collector d'un truc que j'ai eu. Mais c'est les Yoshi en laine bleu et rose que j'ai galéré à avoir. J'ai tout donné à ma fille. Ma fille, elle a les trois Yoshi et Pucci qui dort dans son lit. En 95, ouais. Merci Omega, si ton cuirassé, tu casses les murs! Merci Omega. Je sais pas du tout. Mais pour moi, Mario RPG Remake, c'est pas vraiment un Mario, tu vois. En plus, pour moi, Mario RPG, c'est pas la licence Mario Canon. Là où Mario Wonder l'est, par contre, pour moi. Marco qui est toujours premier, qui a assuré son avance avec un point de plus que Silver the Hedgehog. Putain, Silver, c'est quand même pas le meilleur perso. Hein. Question numéro 11 sur 12. À quel jeu provient-il cette transformation? Oh putain! Je me rappelle pas du tout. Alors là, je vais avoir faux. Là, je vais avoir faux. Ça m'arrive d'être sur Kick Sacha de temps en temps. Normalement, je vais recommencer les lives en multistream le dimanche. Du coup, j'y serai. Alors, c'est quoi la bonne réponse, juste? New Super Mario Bros. Putain, je me rappelais pas de ça. Mario Bros 2, Mario Gitan. Mario Bros, oui. Super Mario DS. Il y en a un qui est bon, Sky? Je saurais pas dire, du coup. Pour moi, c'était sur DS, je crois. New Super Mario Bros. Et sur Wii, du coup. La DS. Donc là, ça c'est bon, ça. C'est ça? Super Mario DS, c'est bon. Et c'est tout. Ok. Bon bah, il n'y a que Zad qui a eu bon. Bravo Zad. Tu es l'élu. Pour cette fois. Zad qui remonte au classement. Ah, Silver qui a eu faux. Attention, dernière question. Attention, dernière question, je joue ma vie là. Je joue ma vie, attention, question numéro 12. Parmi ces personnages, lequel a été dans Mario Kart? Oh putain! Oh putain! Alors. Alors putain, ça dépend.
Ça dépend si tu considères les Mario des trucs arcade comme canon ou pas. Tu veux la considérer? Putain, j'aurais dû y croire. J'aurais dû y croire. J'ai fait une connerie. Je considérais pas Mario Kart Arcade GP comme canon. Ouh, c'est bon, il a pas réussi Silver non plus. Wouhou! C'est bon! C'est qui le meilleur? C'est qui connaît le mieux la licence Mario? Qui l'arrête pas de cracher dessus? Oh! C'est qui? C'est qui? C'est qui? Hein? Moi, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Marco! Silver deuxième, Racnub troisième, Zad quatrième, Riles cinquième, la remontada, le retour de Nobara qui revient quand même, mais sixième, bah, elle sort du coma, donc normal quoi.